Salut YouTube, bienvenue sur Tomb Raider 1, la version remaster, et on vient de terminer le niveau 2 à 100%, on va continuer avec le niveau 3, on fait pas spécialement à 100%, mais bon, j'explore et c'est possible que ça arrive à 100%, mais je pense que plus les niveaux vont avancer, plus ce sera compliqué, hein. Niveau 3 donc, comment il s'appelle? La vallée? Perdu. 5 secrets, 16 objets. Eh oui, il va y en avoir de plus en plus. Ah si, oh si, je sais pourquoi ce niveau est marquant. Je reconnais, je pense reconnaître. Je pense savoir. Ne serait-ce pas le moment de la grosse bête. Voilà, la grosse bête. Je pense, hein. Il y a des loups. Faut qu'on sauvegarde. Faut qu'on sauvegarde, mais là il y a du courant. On va peut-être d'abord essayer de sauter sans tomber. Bravo. Échec cuisant. Va y avoir les loups. Hop, une petite balle. Petite balle comme ça. Juste, c'était juste pour le réveiller, hein. Pas du tout. On voit rien avec la version moderne là. Non mais c'est des méchants loups, hein. Faut pas être triste pour les loups. Ils sont méchants. Ils ont faim aussi. Ouais, comme moi, ils ont faim. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui là? Je crois qu'il y a du poulet et des brocolis chez moi. Ça vous tente? Non, il n'y a pas besoin de recharger. Munitions infinies sur les petits pétards. Sais pas où je vais. Salut, visage content. Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur. Waouh, merci Pixel 2. Bon, ça doit être la sortie. Oh, j'aime bien les brocolis aussi. Voilà, poulet brocoli, bon. Demain, je miam tacos. Ah bah j'ai horreur de ça. Je déteste. Mais régalez-vous. Soupe au brocoli? J'ai jamais mangé. Petite pizza. Ah mais en plus là, quand j'ai faim, après j'ai trop envie de fast-food. Mais faudrait que je me retienne, quoi.
Alors voilà quelqu'un qui n'a pas eu sa trousse de soins. Ah non, les tacos là, les trucs. Ah mais à chaque fois que vous m'en parlez, je vous donne tout le temps les mêmes trucs là. Les tacos, trois viandes, cordon bleu, steak haché, poulet. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça me débecte. Est-ce qu'on serait pas à l'endroit? Toute une ferme dans une si petite galette là, ça me. Et puis il y a 5 sauces. 5 sauces. Sauce blanche, mayonnaise, sauce fromagère. Allez hop! C'est rien, c'est les dinosaures du Pérou, ça. Oh là, il y en a un autre. Eh oui, c'est ça. J'aime pas du tout. C'est... Vous avez créé des raptors? Oui. Non, mais du coup, vous avez créé des T-Rex? Oui, nous avons un T-Rex. Salut les chaos. Mais n'empêche que j'adore le fast-food, hein, mais c'est juste que les tacos là, ce giga truc plein de sauce. Hein. Il est où Bijou? Bijou! Pourquoi elle tire vite là? Au secours! Je suis mort. C'est rien. On va gérer Bijou. Je suis pas sûr qu'il m'attaque là. Peut-être comme ça là. Avec le ciel noir là, on est bien. Putain, mais... Oh, il y a d'autres raptors. J'ai attiré d'autres raptors. C'est bon, je risque rien là. Putain, les murs!
Bonjour Nova Pixel. Je suis peut-être censé avoir une autre arme aussi, hein. Putain, mais... Mais qu'est-ce que tu fous là ? Oh, les bruits. Je veux pas me soigner, je voudrais réussir à combattre, quoi. Faut que je maîtrise, quoi. Je pourrais utiliser les trousses de soins en boucle, mais... Musique! Dur à contrôler là, oh là, là. Non, non, il va me bouffer. Le xylophoniste qui donne tout. Tout. Je suis sûr que là, je crains rien. Je crains rien. Tire à extinction. Allez. Peut-être sauvegarder en vrai. C'est quand même mieux dans la version remake, pour le coup. Ce côté ciel noir, là, ça fout les jetons, j'aime pas. Ah mais regarde, là, il y avait un petit coin, là. Petit coin qui sert à rien. Aha! Sale bête. Ouais, je suis d'accord, Noah Pixel. J'aurais préféré jouer à 60 FPS dans ce mode-là.
Ça m'aurait beaucoup plus trigger la nostalgie. Mais du coup, ouais, c'est pas fluide, hein. Après, je pense que si tu t'y habitues, ça va. Mais le fait de switcher entre les deux à chaque fois, c'est flagrant, quoi. Regarde comme on voit bien là, c'est clair! C'est même trop clair. Baisser la lumino là. Bonjour Frimirno. Pourquoi il y a tout ce passage s'il n'y a pas d'objet? C'est juste pour attaquer. Oh, il y a des grunes patounes là. C'est juste pour attaquer de manière sécure? Allez, voilà les brocolis! Super! Arrête, j'ai faim là! Ça fait pas un peu repas go muscu, poulet au four, brocoli? C'est pas genre, j'ai besoin de la prot là et. Peu de protéines et de légumes. Ouais. C'est tout moi, ça. Pour avoir les gros muscles. Mais je vais me péter la gueule. À quel point je vais me péter la gueule? Juste brocoli à l'eau? Bah, c'était du poulet au four avec les brocolis posés dans le plat, quoi. C'est juste comme ça. Ah, mais ça va. Donc, ils sont à l'eau. Enfin, ils sont à rien, quoi. C'était des congelés. Des brocolis congelés foutus dans le truc. Ah, tout de même! Ah, ça compte comme un secret. Je me sens visé d'avoir mangé poulet, brocoli les deux derniers repas. Ben non, mais c'est bien, c'est bien. Écoutez, ça me change. J'adore manger de la malbouffe, moi, alors. De temps en temps, un petit repas comme ça, c'est pas mal. Qu'avons-nous là? Oh là là! Je recule à chaque fois. Tu m'auras pas! C'est moi qui t'ai eu. J'aime trop l'exploration dans ce jeu là, il y a toujours des petits coins comme ça là. Oh! Qu'est-ce que c'est? Le sein écrou crampé. Je saute à l'aveugle. Ça, c'est un vrai problème, la lumino. Hein. Je confirme, se perdre dans ces jeux, c'est agréable. Tout a été rendu linéaire dans Anniversary. Ah oui? Anniversary, c'est un remake du premier. Genre vraiment remake. Là, c'est. Ouh là là. Là, c'est genre le même jeu avec des graphismes plus fins, mais. À une époque, on m'avait conseillé de faire une anniversary.
Fut un temps. Allô, ça serait de la tombe? Oh, la tombe est raide. Mais comment ça se fait que... que je me retrouve là? J'ai envie d'éternuer. C'est passé. Attends, mais c'est pas le même trou. Hein, c'est pas le même trou. Moi, j'étais là. Bonjour, Chocolate Bunny. De l'anniversary, le créateur du jeu se souvenait pas de quoi il avait mis... de pourquoi il avait mis des pièces vides. Il a tout viré et massacré certains niveaux au passage. Après, des pièces vides, je peux comprendre que c'est un peu nul. Est-ce qu'on peut grimper, là? Moi, j'ai envie d'aller en haut de la montagne, de la cascade. Oula! Non mais des salles vides, il n'y a pas des objets d'habitude. Là pour l'instant on n'a rencontré aucune salle vraiment vide, il y avait tout le temps un secret, un objet. Merde. Je peux forcément m'accrocher là-haut. Rien! Peut-être pas. J'ai cru voir qu'il y avait un défaut sur le remake. Les clés au sol ne sont pas très voyants par certains endroits. Après, on switch quand même assez fréquemment avec les anciens graphismes, donc je pense que ça va le faire. Néanmoins, il me semble qu'il y a un endroit connu dans le jeu où il y a une clé invisible ou quelque chose comme ça. Je peux pas faire ça, là. Pardon ? Mais attends. C'est quoi ce truc vicieux, là ? Attends, puis je peux pas monter, hein. Elle monte pas, hein. Mais c'est ultra vicieux, parce que... je veux bien qu'il y ait un moyen de passer, mais... ah, ça y est. Excusez-moi, je me la pète un chouïa, mais... rapide, hein. Wow! Non mais moi ce que je trouve scandaleux, c'est pas le fait de monter difficilement, c'est vraiment la corniche. D'habitude on voit le passage, mais là on voit pas. Sacré mot d'ailleurs, corniche, hein, si vous me permettez. On utilise rarement quand même la corniche. Je voulais faire une blague avec nichon, mais en fait, ça fait un vrai mot. T'as écrit cornichon juste pour faire une blague, mais en fait, c'est un vrai mot. Eh, les cornichons, j'ai pas raison? Ah bah non.
Ah bah non, ouais. Y a rien là, par exemple. Mais là, c'est pour se planquer, pour attaquer les dinos, peut-être. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Putain, il est pas mort. Merci Fury Florian. Merci beaucoup. Comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Hein. Je suis plutôt content d'être sur ce jeu. J'aime bien l'ambiance qu'on a là. Et on parlait cornichons. Et j'allais enchaîner sur le fait que dans le pot de cornichons, finalement, c'est le petit oignon qui est meilleur. Mais si t'achètes un pot que d'oignons, ça fait pas pareil. C'est pas pareil. Je vais sauvegarder parce que y a pas de suite. Voilà, y a pas de suite à ça. Quoi, c'est comme ça finalement. Les oignons dans les cornichons, moi j'aime bien. Cornichon aigre doux, j'aime bien aussi. Les gros là, les giga cornichons là. Attends, mais là je peux pas faire demi-tour. C'est quoi ce truc? Ah si, je peux. Ah, c'est la suite ça. C'est la suite là, il y a le pont cassé. Ou pas? Ah, attends, ou pas? Merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Merci Noxado, en tout cas. Merci beaucoup. A plus, Luffy. À bientôt. Trop bon, les gros cornichons, là. Ben oui, c'est vrai. Ma phrase est pas chelou. Trop bon, les gros cornichons. J'y peux rien si vous êtes dérangé après, hein. Les gens qui enlèvent les cornichons dans les burgers. Non mais dans quel monde on vit, quoi? Mais dans quel monde on vit? J'aime pas les cornichons, j'aime pas le fromage, j'aime pas les oignons. Oh! Bah va manger tes pâtes au beurre, hein. Ouais, c'est à toi que je parle, Skyplay 14. Il est pas là du tout. Il est pas là du tout. Ah Cornibar. Cornibar. Ça y est, je sauvegarde tous les 2 mètres. C'est terrible. Ah. Encore un nouveau crampeté. J'adore quand tu collectionnes les crampetés. Je vais vous montrer ma collection de crampetés. Bon, maintenant, il faut... Bah, d'ailleurs, je pense que de l'autre côté du pont, il y a un autre crampeté.
Il doit en falloir 3. Peut-être 4. Sky est un casse-bouffe niveau couille, j'avais pas Trop de crampetés, tu les crampetés? Je sais pas, moi j'aime beaucoup les crampetés. Hein. Ça me fait trop rire. J'aime trop les placer partout. J'ai mal aux crampetés en ce moment-là. Je me suis fait les crampetés croisés. Je vais peut-être sauvegarder pour ce saut. Ah non, c'est... Ah si, 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 c'est bien ça. C'est bien ça. Y a pas le bruit cette fois? Y a pas le bruit? Dommage. Il n'y a pas de musique, non. Non, il n'y a pas de musique. C'est trop dommage. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Yes. Je vais vérifier qu'on n'a rien raté, mais je crois qu'on a fait le tour et qu'il faut faire demi-tour. En fait, on a bien fait de tomber dans la rivière parce qu'à tous les coups, il faut mettre les rondelles peut-être là-haut, en fait. Il faut introduire les rondelles de l'autre côté de la rivière. Quatre mois. Quatre mois. Merci, Mirtro... Non. Pourquoi je mets un... Si, Mitratom. Pourquoi j'ai eu trop du mal? Je suis même pas sûr de l'avoir bien dit. Oh, merde. C'est quand même terrible, je peux même pas rentrer jusqu'à chez moi tranquille. Comment tu t'es fait call out? Pendant un moment, ma coloc et moi s'amusaient à faire des jeux de mots avec Kwakubé. Par exemple, tu as sorti les quoi poubelles? Tu as de quoi couper? Ouais, j'aime bien, moi ça me fait rire, ces jeux de mots. Alors que j'adore mes cornichons. Ah bon. Mais non, mais je faisais la blague, genre les gens ils enlèvent tout ce qui a du goût, quoi. Bah, le fromage. Le fromage, c'est trop bon. J'arrive pas à sauter. C'est pas moi qui ai volé l'orange. Oh, bon Dieu. Ça dépend lequel et dans quoi. Y arriver. C'est trop gris là. Ah non, par contre, les fromages bleus, j'aime pas. Nom de Dieu, ça me saoule. Ça... Mais est-ce que c'est seulement possible? Est-ce que je suis pas en train d'essayer de chercher quelque chose qui n'existe pas? Non, j'aime pas les fromages bleus.
Continue là. Ah oui, il y a quelque chose sur le toit là, on voit bien l'objet. Le Kiri, mais c'est pas du fromage. Mais t'as quel âge, Skyplay? Ça suffit. Non, mais en vrai je suis mauvaise langue. Déjà parce que j'achète du Kiri. Et parce que honnêtement, je mange pas des fromages de ouf, quoi. Je m'arrête au comté, donc c'est pas non plus. Très mauvaise langue, là. Très très mauvaise langue. Combien de mois le comté? Au moins 18. Allez, oh putain. Allez, c'est bon, j'arrête de lire Skyplay, il me saoule. Il y a plein de trucs ici. Mais qui a mis ses munitions sur le toit? Trois heures de route, mon Dieu. Raptor, peut-être. N'empêche que... Attends, au niveau des secrets, là. On est à 3 sur 5, 11 sur 16 objets. En fait... Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que le niveau était court? C'est quelqu'un qui m'a dit... Bonjour Elsa. Ça dépend comment tu te déplaces. Mais franchement, on joue bien, non? Ça va. Bon, je pense qu'on a tout eu. Non, non, mais je pensais pas que tu jugeais, mais je veux dire... Je vois pas en découverte comment on peut vraiment aller plus vite, quoi. On est bien, là. Comparé au niveau des jeux d'après. Ah oui, après, je veux bien croire. On est sur le 1, quoi. Comment on remonte? Parce que ça se trouve, c'est même pas par là. Oula. Donc là, on retourne au niveau de la rivière avec le courant. D'ailleurs, j'ai pas exploré dans l'eau, là, non? Il y a peut-être quelque chose. Oula. Si, j'avais peut-être vu. Je sais plus, moi, je sais plus. On discute, on oublie. Voilà. Serait-ce possible alors? C'est quelqu'un qui m'a dit que fallait se pter trois
Bonjour Tobias, je me prends tous les murs, calme-toi. On est sur du polygone, ouais. Polygone et cornichon, figure-toi. Je quitte le stream des yeux 2 minutes et les graphismes deviennent lisses d'un coup. Les polygones, ça fait 10 minutes que je me demande pourquoi je viens de voir à l'instant que Brioche peut changer à volonté. Oui! Et oui! À volonté. Et parce qu'on voit mieux parfois dans un mode et pas dans l'autre. Ce qui fait chier, c'est les 30 FPS, quoi. Ouais, ils auraient dû laisser une option pour mettre en 30 FPS ou non, quoi. Y a eu des avancées dans l'histoire? Je sais pas du tout ce que c'est l'histoire. Tu veux une nouvelle arme ou pas? J'aurai une nouvelle arme quand j'aurai une nouvelle arme. Oh, regarde. Je sais pas, en fait, ta question me laisse à croire que tu vas m'indiquer où est-ce qu'il y a une nouvelle arme. Mais je vais la trouver moi-même, non? On a été recruté par la blondasse pour trouver une relique. Ouais. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire au début, ça. Et que ça se passe au Pérou. Fallait aller au Pérou. Ouais, c'est le moment des grands thés. Est-ce que ça va pas enlever le courant de faire ça? Y a pas un délire comme ça? Ah si, ça a ouvert. Ok, le courant va dans un autre sens. Va aller voir ce qu'il y a à gauche. Il n'y a plus le courant du coup, hein. Je
Je cale le medkit entre mes dents. Ça suffit, Yamé, là? Ça va? Est-ce qu'il y a un intérêt à retourner là-bas maintenant qu'il n'y a plus l'eau? Oh! Mais attendez! Mais attendez! Moi, je regarde un stream, je regarde une streameuse, un streamer, et je pompe. Pas mal! Ça me fait rire parce que c'est encore un truc dopé. Pas mal! La fameuse nouvelle arme, ouais. Ben voilà, il n'y avait pas besoin de backseat. À votre avis, je fais demi-tour là derrière ce truc qui bloque ou pas? Je sais même pas si c'est possible en fait. Là, je vais me faire embarquer par le courant. On va pépon des ours. Bon, ça, j'ai pas attendu Lara Croft. Hein. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas un objet dans la rivière où il y avait le courant. J'ai des pensées perverses. Ça m'étonne pas de vous. Girl, same. Je vais vous prendre un maxi dildo XXL, s'il vous plaît. Eh ben, sachez qu'on est venu là pour rien. Attends, c'est quoi cette texture là, monsieur Remaster? Vous avez vu? C'est quoi ça? Bizarre. Pépon des pères. Bon allez, on continue là. Ça va loin l'affaire là, c'est quoi ce... Mais est-ce qu'il y avait des objets? Parce que du coup, moi, j'avais peur, mais... Ouais, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Au pire, tant pis, tant pis, tant pis. On fait pas un 100% de toute façon. Ah mais c'est un secret ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais alors c'est où la suite? Bonjour Fela Malin. Jimbo! T'as le Jimbo. Jimbo dans Drag Race Belgique là, mais c'était quoi cet alignement de planètes? Alors qu'on en avait parlé l'après-midi même. Thank you.
commence Drag Race Belgique saison 2 ce soir. Bah bon courage, hein. Parce que c'est pas toujours évident, hein. On est de retour là. Ah, vas-y, j'ai fait des tours et des tours pour rien. Ouais, faut s'accrocher. Il y a vraiment des trucs pas terribles, hein, faut l'avouer. Mais j'y vais où, moi, du coup, là? Qu'est-ce que j'ai fait? On a un niveau à 100%, en tout cas. Hein. Secret 5, objet 16, mais où est la sortie? Parce que ça, c'est l'entrée, là. C'est l'entrée du niveau, ça. Eh oui. Oh bon Dieu. Et du coup, j'ai pas compris ce que ça a fait les crampetés. Ça a mis cette porte. J'ai récupéré un fusil à pompe et des munes. Il n'y a pas un autre passage que celui-là? Ou alors c'est dans ce tunnel que je suis pas allé au bon endroit? Je pense qu'on peut aller en bas. Peut-être qu'on peut remonter plus tôt que ce que j'ai fait. Plus de chute d'eau. Ah si, elle est toujours là, la chute d'eau. J'ai même trouvé un secret, il y avait une grosse trousse de soins. Tu veux dire celle où il y avait les loups au début, peut-être. Ouf, doucement quand même. Hein. Donc par là, into, par là. Tout va bien, tout va bien, tout va très très bien. Ah, et peut-être là. Si jamais tu veux savoir, t'as des raccourcis pour sortir une arme en particulier qui a été rajoutée dans le remaster qui n'est pas expliqué. Ah, ça peut être pratique effectivement pour pas revenir dans le menu pour choisir pistolet ou fusil à pompe. Ok, fin du niveau 3, la vallée perdue. Pour l'instant, on est toujours à 100%. Et on a mis presque une heure. Enfin, pour la VOD, en tout cas. Pavé tactile, select et les gâchettes, en somme. Ok, bon, on essaiera. YouTube, j'espère que tu as apprécié cette vallée perdue. Et toutes ces histoires de cornichons et autres anecdotes croustillantes, voire même juteuses. À bientôt pour le niveau 4.